Salut, c'est le motif et on est au 13e jour de mon défi de faire un son par jour pendant un mois. Alors, vous l'entendez sûrement, je n'ai plus de voix. Heureusement que j'ai déjà enregistré, mixé et masterisé mon premier EP qui va sortir le 18 septembre et qui s'appelle Première Partie. Parce que s'il fallait que je l'enregistre maintenant, ben, je pourrais pas, vu l'état de ma voix. Alors, comment je me suis retrouvé avec cette voix de Gainsbourg? Pour l'épisode 11 et pour vous remercier de la force que vous m'envoyez, j'ai fait une journée de malade. J'ai commencé super tôt, j'ai fini super tard, ça m'a claqué. Le lendemain, on s'est fait contrôler par la police, ça m'a fait péter un câble. J'ai hurlé sur eux comme si c'était mes gosses. Je suis rentré, j'ai décidé de faire un rap hyper vénère, ma voix elle a dit ciao. Ce matin je me suis réveillé, la voix elle commençait à se rétablir. Mais avec Masqué, on a sorti une vidéo où on transforme des génériques de dessins animés en hits. On est rentré directement numéro 1 des tendances. Mec, j'ai lâché mon dernier yes. La voix elle a fait wouh. Elle a été à l'aéroport Charles de Gaulle, elle a demandé un ticket pour le pays le plus loin d'ici. Elle a pris son petit string rose avec une petite dentelle, elle a mis dans un sac, elle a fermé le bail, elle s'en est allée. Du coup, j'ai plus de voix. Et tu sais quoi? On est en France. Et en France, on n'a même pas besoin de tirer sur ses cordes vocales pour faire de la chanson. Il y a un genre musical qui se prête parfaitement à cette nonchalance vocale obtenue par le biais d'une consommation de clopes hyper élevée et 3 verres de vin rouge puisés dans les vignobles les plus prestigieux de la contrée par repas. C'est la variété française, les gars. Laissez-moi vous dire que la France, c'est d'abord et avant tout la chanson française. Le rap, c'est un nouveau genre, tu vois, c'est un phénomène. Certes, c'est un phénomène qui est numéro un dans ce pays, mais il est encore traité par les institutions de la musique comme un nouveau truc. Un effet de buzz qui, wow, nous dépasse un tout petit peu parce que les streams, c'est un peu chelou, il y a sûrement de la triche. Et donc, c'est assez rare sur des grandes radios historiques d'entendre du rap. On apprécie que France Inter commence vraiment à jouer le jeu, mais on aimerait entendre plus de rap sur Chérie FM, wesh. Un petit segment rap sur RTL, sur Nostalgie. Tu sais, certains classiques du rap français ont maintenant plus de 20 ans. On aimerait voir une plus grande diversité de rap sur TF1. Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi. J'étais pas encore né, je regardais déjà ça. J'aimerais bien le voir s'ambiancer sur un morceau de Niska. Mais c'est plus compliqué et j'ai pas assez de voix pour déballer toutes les subtilités de ce qui se passe en coulisses. Sachez que le rap, même s'il est numéro 1 sur TikTok, même s'il est numéro 1 sur Spotify, il est encore traité par les institutions comme un sous-genre. Le temps adoucit les mœurs et à un moment, il y a bien un gars qui va quitter sa position et la léguer à un plus jeune. Et ce plus jeune aura grandi en écoutant le rap et ça va permettre de faire avancer les choses. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, rappeurs ou fans de rap, de s'intéresser à la chanson française. Hein, c'est pas parce que le rap c'est le truc à la mode qu'on n'a pas écouté du Renaud, qu'on n'a pas écouté du Gainsbourg, qu'on n'a pas écouté du Jacques Brel. Donc pour éviter de crier, pour éviter d'hurler, pour éviter de débiter, pourquoi pas faire une chanson de variété française? Une bonne chanson française comme on aime. Tu peux écouter avec tes parents. Et tes parents peuvent les écouter avec leurs grands-parents. Et les grands-parents peuvent déterrer leurs parents et les écouter avec eux. Et il n'y a personne qui est perdu, tout le monde aime bien. Louis Duro, c'est un régulier de la série. C'est lui qui a coproduit Passer la Night, la chanson de Hier, Juste Noir, La Drill, 48-27. C'est peut-être mon son favori de ces épisodes. Donc Louis Duro, il est derrière cette trap shit. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Instagram.com/Louis Duro. Là, je lui ai dit, mec, envoie-moi une variette. Ne s'agit-il pas là d'une instrumentale champêtre à foison? Ne s'agit-il pas là de la bande sonore la plus adéquate pour écouter les grillons chanter le soir? J'adore! Je débattais avec un follower parce que sur une autre vidéo, j'avais dit que parfois, les grands chanteurs de chansons françaises, t'avais l'impression qu'ils faisaient pas de mélodie. Et il est venu en commentaire, il m'avait dit « Non, mais si t'écoutes les mélodies de Gainsbourg, il a des mélodies de génie. » Et du coup, je me suis replongé dans la discographie de Gainsbourg. Et en effet, à ses débuts, quand il était encore en noir et blanc, Gainsbourg, il avait de ses mélodies de ouf. Tu reprends une top line de Gainsbourg à l'époque, tu mets une prod trap derrière, c'est du Swelly quoi. Ah tiens, ça me donne une idée. Mais au fil du temps, et puis il est devenu Gainsbourg, et puis il s'en foutait de la mélodie. Hein. Le gars, il a trop bu, il a trop fumé, sa voix, elle partait en couille, il savait plus toucher les notes. Là, j'ai l'impression d'être Gainsbourg, tu vois. Mais Gainsbourg quoi. Tum, 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 tum. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Quand j'étasse la caille, j'suis cassé comme un mail. Je n'ai plus de voix. Quand j'étale de la reine, j'suis jamais dans la gamme. Je n'ai plus de voix. Quand j'ai mis de la faille et que j'ai de la sane, je n'ai plus de voix. Bon, je crois le texte il s'écrit tout seul, hein. Je n'ai plus de voix.
À quoi j'en suis réduit? Moi j'ai envie de crier, moi, j'ai envie de dire. Pour moi, je suis complètement rabat! Alors les paroles. On a perdu le motif. Non! On vient de le trouver! Je sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans mon eau. D'habitude, je bois de la Evian, c'est ça. C'est peut-être la Vittel là qui me décontenance. Eh, la musique, c'est aussi ça. Hein. C'est se faire kiffer. Hein. C'est se faire plaisir. Hein. C'est rire. Hein. Rigolons. Je trouve ça marrant de dire dans le texte. Quand je rentre chez moi, j'allume un doobie. Je n'ai plus de voix. J'adore mélanger l'ancien et le nouveau, tu vois. Prendre un ton vraiment classique et rajouter un petit mot moderne. Même si on fait la recherche sur Google, je suis sûr que le mot doobie, il existe depuis les années Get Up. Bah, le doobie, il a vraiment commencé à se populariser dans les années 1960 et il a vraiment explosé dans les années 2000. Mais en 1804, il y avait déjà des gens qui parlaient de doobie. Mec, ces gens, ils étaient woke! J'ai quand même envie de rapper un peu, j'ai plus de voix, c'est compliqué, je peux même pas gueuler sur ma chouin alors qu'elle reçoit des DM de gars chelous, je suis embêté. T'imagines, tu t'embrouilles avec ta meuf, t'as la voix comme as, tu fais comment? Quand je rentre dans un Uber et il me demande quelle radio tu veux écouter, je dis tout de suite Chérie FM. J'entends toujours des vibes auxquelles je m'attends pas. C'est super de devenir maître dans une branche, mais c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui se fait dans les autres branches juste pour voir qu'est-ce que tu peux ramener dans ton monde. C'est pour ça que j'aime bien parfois explorer des chansons françaises. C'est quand même un énorme patrimoine et il y a énormément de choses qui étaient très 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 bien faites. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Une fois chez moi, je m'allume en doublé. Je n'ai plus de voix. Je ne peux même plus faire peur à une mouche. Ne parlons pas d'un cœur. Quand ma voix se fait la belle et que je la perds, c'est mon monde qui s'effondre. Je peux faire mes adieux à Skyrock, mes bonjour à Chérie FM. On dirait que je reviens d'une rata suivie de la pire des affaires. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Une fois chez moi, je m'allume en doublé. Je n'ai plus de voix. Puisqu'elle est déjà en paix, autant la foutre encore plus. Peut-être qu'elle fera son retour. Si je l'allume comme un lustre, j'ai plus de voix, c'est compliqué. Je peux même pas gueuler sur ma chouin alors qu'elle reçoit des DM de gars chelous. Je suis embêté, elle joue la sourde car je suis grave muet. C'est bien crié, mais faut assumer. Comment veux-tu que je puisse assurer? Si je sors, ça s'en faudra pas me chier. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Une fois chez moi, je m'allume en doublé. Je n'ai plus de voix. Une fois chez moi, je m'allume en doublé. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Gaspard dans la pièce! À moi les millions de disques! Ce support physique qui ne veut pas crever! Non, j'adore la chanson française. Je suis un gars de la pop internationale, mais j'aime bien la pop française. Et en France, faut pas se mentir, la pop c'est la chanson française, mec. J'étais dans un mood plutôt happy, peace and love, baba cool. J'étais à l'aise. Donc, j'ai fait un truc comme ça. Mais je vous connais. Déjà, je me connais. Je sais qu'elle va rentrer dans mon top quelque part, mais je vais pas oser l'avouer. Là, on a fait 12 sons quand même. C'est quoi votre top 3 de mes sons? Même, tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre tous les extraits des chansons sur mon compte Instagram. Et la chanson qui aura le plus de vues sur mon Instagram d'ici la fin des 30 jours, et je la ferai mixer, je la ferai masteriser et je vous l'enverrai. Donc allez me suivre sur @levraimotif et envoyez des vues à la chanson que vous préférez. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre top 3. Et les amis, on est ensemble. À demain pour l'épisode 14.